NSC qui c'est organe stratégique qui créé après deuxième guerre mondiale là, elle mettait à terre conseiller Steve Bannon et c'est sa Maison Blanche là annoncé journée jeudi. Président américain, conseil il fait back son décision qui t'a fait en pile d'intégrer dans la République étoilée, elle était pour un homme extrême droite ou idéologue extrême droite tant que monsieur qui a défendu suprématie race blanche pour te mettre dans un poste comme ça. Je devais me penser que dit après et politisé poste là alors que c'est pas Wall et instant ça. Général Joseph Dunford qui est chef état-major interim là avec directeur renseignement national là Dan Coats et même yo jeune promotion en dedans NSA ça qui normal qui donc Donald Trump retourner à la raison d'après ça et commentaire qui a fait dans Washington fait connait. Et remaniement ça et semblait c'est une victoire liée pour conseiller sécurité nationale là Herbert Raymond McMaster et qui était montré que il pas d'accord du tout avec question Bannon bien que Maison Blanche démenti mais que l'autre monde qui a responsabilité dans question sécurité qui démenti Maison Blanche fait croire que c'est pas parce que Flynn était là et a essayé faire équilibre puisque moi depuis le tombé et je crois que et c'est back que le président américain fait. Et concernant Wall Street by Bannon, yon groupe monde qui était contrat avec ministère affaires sociales à travail journée jeudi a fait manifestation devant ministère pour demander nouveau ministre Roosevelt Bellevue PEO 7 mois dit que l'état droit yo et puis yo tout exigé pour ministre et employé comme monde qui a travaillé normalement dans ministère comme fonctionnaire l'état et gain organisation dans sens ça qui était dans tête mouvement les forces résistance populaire et n'a coûté quelques dans yo mon ça était un contrat dans ministère affaires sociales yo des contractuels qui était parlé concernant micro Emmanuel Tolem Brina. Nous c'est contractuel ministère affaires sociales présence nous la matin hein, c'est parce que ministre ça fait contre la ministre Belleville lui entre dans boîte là lui fait connait que lui va payer nous 6 mois. Après ça, il va couper le contrat. Parce que dans aucun pays sérieux, nous avons travaillé. Pour que 7 mois de travail, nous n'avons jamais payé. Nous avons 7 mois depuis notre travail, nous n'avons jamais touché un goût. Qu'est-ce que nous avons touché? Le ministre a contre là, fait qu'on est. Après 6 mois, il a coupé le contrat. Et le contrat, après 3 mois, il n'a pas de contrat encore. Le contrat n'a jamais duré plus que 3 mois. Après 3 mois, c'est domination. Je dis, nous sommes force populaire. Nous venons là, nous venons faire une revendication parce que nous ne parlons pas le français. Nous venons demander au ministre, comme président, Jovenel Moïse, la mettre comme nos poches, la mettre dans le génie. Nous parlons de ministre à dire, est-ce qu'elle vient de travailler pour Jovenel ou bien la travaille contre Jovenel? Parce que nous-mêmes, force populaire, je dis, on s'assied plan A. Si le ministre lui-même, il avait deux voix au fond, il avait deux voix au fond, c'est le plan B.A. Plan B.A. c'est qui ça? Plan B.A. Plan B.A. Pour ministre paye nous 7 mois de nous, mais la demande de nomination nous tout dans la boîte là. Nous disons que c'est force populaire. Ça veut dire que c'est ensemble de membres organisation force résistance populaire qui des contrats en dedans ministère des affaires sociales. Voilà. Tout de l'être nous nommons nous qui valent pour un an. Pas question de 6 mois. Vous donnez? Pas question de 6 mois. Voilà, c'est organisation, ça, force résistance populaire, qui revendiquait pour venir fonctionnaire l'État haïtien dans le ministère des Affaires sociales. Et protestation toujours face à ces employés au NIO, Office national d'identification, groupe employé, dans l'institution de l'État, ça, t'es dans la rue, il passé devant studio, il y a directé de Kiskeya dans la ville Ménéa, côté, bon, sur habitude plusieurs organisations pour assurer eux que voie passé, il dénoncé le directeur général là, parce que les gens n'ont pas qu'à le couvrir, il y a tellement de sollicitations, donc ils tout passé eux-mêmes, ils assuré que les passé là, au moins si nous pas qu'à le couvrir eux, eh bien, ils tout, et bénéficier de couverture. Wilson Fief, CDLUE, il a accusé qu'il a pris l'argent avec bien matériel institution pour les affaires personnelles, li, sans que nous-mêmes, dans les médias, nous n'avons pas de preuve de ça. Situation, ça la cause,
ONI et Pakabay population service qui c'est quatre identifications nationales. Je parlais de quatre mois que l'État doit. Selon Mathieu Fils Volny et Evan Jean qui te parlé dans un groupe là, ils profitaient annoncer manifestation vendredi devant Palais National pour exiger président Tourneuf Blanc faire intervention pressée dans le dossier. Ça n'attendait Mathieu Fils Volny et Evan Jean, deux porte-parole mouvement employé l'ONI dans micro Emmanuel Tolem Brina. Nous passons dans Kiske, pour nous voir un message direct à la présidence, comme c'est lui garant toute institution selon l'article 136 constitution, pour venir garder qui s'est gagné en ONI et pour prendre mesures appropriées. Parce que nous n'avons pas continué de travailler dans condition ça avec le directeur général là, que c'est M. Wilson Fels. Nous sommes obligés de prendre chemin la presse parce que nous écrit la présidence, nous écrit au niveau du Parlement, nous écrit le ministre de tutelle, nous, il n'y a pas jamais fait une réponse, il n'y a pas dit non, ça fait nous obligés de faire un sitting matin. Nous obligé faire sitting ça matin pour nous bailler message là direct et n'a pas faire encore vendredi pour nous bailler message là direct avec James Odile d'ailleurs avec président qui c'est lui qui garant toute institution pour venir garder ça qui a passé pour venir garder est-ce que c'est vrai même bailler monsieur ou bien est-ce que c'est pour nous faire nous décider inventer une équipe histoire qui dit nous pas toucher depuis 4 mois est-ce que c'est blague n'a bailler est-ce que c'est pas vrai forel fait salver dans base zone alors que c'est pas qu'un contrat qu'un titre qu'une qualité pour faire ça. Est-ce que c'est pas avoué? C'est Antoine Fièvre. Est-ce que c'est pas avoué? Oui, toutes les heures du matin, monsieur dans base zone, toujours gourmand informaticien pour balle requête qui fait le lycée électoral. Donc, ensemble de des autres comme ça qu'a fait dans la base de données en pays. Donc, nous avons même demandé, comme nous avons son expert international, gourmand informaticien, etc., est-ce que l'aide de travail dans IBM, pour l'aide de permettre de faire ça? Pour l'aide d'apprendre frère, venir jouer dans la base de données IBM parce que c'est ligué contrat. Et tout bagage ça, on a demandé pour venir garder. Venir garder pour nous, qui ça qui fait payroll là, on est bloqué, on ne peut pas toucher, moun qui est malade, pas calmer, pas calmer l'hôpital à cause des mêmes problèmes ça, yo. Venir garder pour nous, quand c'est machine qui gagne dans l'institution, qui dans mes directeurs, qui dans mes amis, qui dans mes moun, qui travaille dans l'institution, venir garder fonctionnement, on est sur 39 millions de gouttes qui doit dépenser pour un année, qui 16 millions qui ont dépensé depuis nan mi-décembre, côté reste là, est-ce que le bureau a fonctionné dans conditions comme ça? C'est tout bagaille ça, nous demandons pour venir garder et puis pour prendre les yeux nécessaires. Jusqu'à présent, nous avons travaillé. Jusqu'à présent, nous avons travaillé. Tout autant, nous avons plusieurs bureaux ONI qui ont fonctionné dans divers endroits. En fait, oui, nous disons oui, bureau ONI. Mais nous, surtout pour le bureau Port-au-Prince, nous avons un projet, la présidence. Donc, c'est la présidence qui vient avec un projet que nous féliciter, qui vient avec un projet pour mettre toutes les institutions ensemble. Archives nationales, DGI, immigration pour un seul service, pour faire la livraison dans un type de bureau ça. Donc, ça n'est pas bureau ONI lié. Bureau ONI, c'est Babiole. Mais ils ont été deux coups, ils ont fermé sans qu'un employé pas de connaître, sans citoyen ou pas de connaître. C'est une bagarre qui a été déplorée au niveau de la presse que et bureau central fermé. Jusqu'à présent, employé bureau central dans la rue. Donc, ils n'ont pas de côté pour y aller au travail. Même si ils n'ont pas de côté au fait bureau, c'est la caillou. C'est côté monsieur descend et Caribé, c'est là le fait bureau. Là, ils ont besoin de faire pas de administration. Imaginons que Kounia, un employé malade, il n'est pas à l'hôpital parce que l'assurance n'est pas payée. Les femmes n'ont pas payé, leur quatre assurances, là, c'est quatre Fatma. Les Wall Lavel, il n'y a pas reçu voile parce que il n'y a pas payé pour, donc il n'y a pas qu'à prendre soin sous lit. C'était Mathieu Fils Volny et Evan Jean, deux porte-parole employés au NIC, te parlé comme ça dans le micro Emmanuel Tolem Brina. Syndicat employé au NAO, il y a même été à une conférence pour la presse et fait connaître, il y a saisi, attendez, et Jovenel Moïse, après, il y a arrêté, week-end qui se passait là, pour le rapporter, arrêté qui était nommé directeur général adjoint dans l'institution ça, syndicaliste au NAO, modèle pour le faire back. Sous décision ça, yo estimé qu'il pas dans intérêt l'ONA, Office National Assurance Vieillesse, gagne en pile dossier l'a géré, un directeur général et adjoint très utile d'après ça yo fait connaître pour fonctionnement institution. Et selon membre syndicat ça, yo souhaité pour président agir vite et puis donc c'est des monde qui connaît de qui s'est parlé d'après ça dit et gens que l'ONA fonctionné. D'après le syndicat, on a écouté Jean-Luc Bien-Aimé, il n'a pas de parole. Le syndicat qui a parlé comme ça dans la conférence pour la presse à côté Amos Greville, tu es présent pour Radio Kiskeya. Objectif conférence aujourd'hui, c'est pour nous bailler position syndicat ONA sous dernier arrêté président de la République Lapouin dans le week-end passé pour le rapporter arrêté qui était nommé directeur adjoint dans cette boîte là. Syndicat ONA a fait président de la République Lapouin que la constitution pays a. Dans l'article 136 là, bail autorité comme premier
garant respect loi toute institution yo dans pays a. Syndicat a fait président qu'on est que c'est la loi organique qui créait ONA depuis 1968, depuis 1967 là dans article 229 là qui dit la direction de l'Office national d'assurance vieillesse ONA est assuré par un fonctionnaire ayant le titre de directeur et assisté d'un directeur adjoint. Syndicat saisi tendait dans bouche plusieurs conseillers président républicain qui t'a participé dans une émission qui puis écouter dans capitale là côté que président pas gain intention pour nommer directeur adjoint encore dans bras l'état. Mais nous-mêmes dans c'est ONA, n'a dit président république là que ONA c'est un bras qui a desservi plus passé 2000 employés, 200 contractuels, 5000 pensionnés, 50000 prêts sur cotisation par mois, plus passé 1000 prêts ONA PAM, business PAM, crédit auto, prêt hypothécaire et latrier. Ça veut dire qui ça? Tout travail ça yo, yon seul directeur pas ka faire yo, sans compter toute l'autre bagaille la bien pour faire. Et puis tout président, si le directeur général ça ou fait nommé a, ta empêché. Employé on a ou pas ka toucher. Pensionnaire yo qui fin si grand monde déjà, pas ka jeune chèque pension yo. Non c'est ça. Nous même dans syndicat ONA, n'a demandé président République là, qui toujours a dit depuis dans campagne li, la respecter constitution pays a, et bien c'est ça que fait nous même dans syndicat. Nous demandons président pour respecter la loi organique de l'ONA. Et nous-mêmes, nous demandons à président que nouveau assistant directeur adjoint la bien pour nommer, c'est un petit ONA pour lier. Pour finir, nous saluons l'arrivée nouveau directeur général ONA, qui c'est directeur général Chesnel Pierre, pour travail dans tête frette en faveur tout pensionnaire ONA yo dans 10 départements, tout assuré yo et surtout assuré nous qui travaillons dans factory yo. Donc c'est Jean-Luc Bien-Aimé, président syndicat ONA, et puis il y a Louis Chanel, vice-président syndicat ça, et qui t'a répondu en question concernant qui Jean Lona qui créé en 1965 fonctionnait, et puis et sous et séparation qui fait entre parlement et palais national pour nommer un nouveau directeur ça, et il considère son goal le prend puisque il dit il est toujours en faveur pour ses promotions internes qui pour faire dans Lona. Notre syndicaliste Louis Chanel, toujours dans la conférence pour la presse, côté Amos Bréville, est présent pour être du Kiskeya. Je l'ai dit à président, le directeur général adjoint de l'ONA et n'importe l'autre adjoint, c'est service qui a bail. Nous saluons la décision qu'elle prend pour être capable de faire toute subvention passer par lui-même. Parce que là, nous croyons qu'il est capable de réduire la corruption, parce que c'est dans la subvention, la corruption. Mais il y a un monde qui travaille. Et nous sommes dit là, dans l'ONA, gain travail pour directeur adjoint en fait, et nous tellement aller loin, gain travail même pour l'autre directeur adjoint. Nous pas croire c'est président Jovenel Moïse qui va rentrer dans violation flagrante de la loi organique de 1967. Au contraire, nous croyons qu'il va chita avec le ministre des Affaires sociales du travail, carrosse pour permettre que bien plus de travail qui créé. C'est pas moins de travail pour le réduire. C'est bien pour le combat de corruption. C'est bien pour si ça marche bien. Mais en dedans, nous sommes expliqués, un directeur général pas capable de faire tout le travail qu'il vient pour le faire. Pour nous dire, en tant que syndicaliste, nous avons bataille pour les employés, nous avons bataille pour les pensionnés, nous avons bataille pour les assurés, pour être capable d'avoir meilleures conditions de service. Mais si nous disons, pour nous mettre un monde petit ONA, nous pas un monde dans la poche. Nous seulement disons, il faut qu'il y ait un cadre dans l'ONA depuis 1965 qui est créé. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous sommes fêtés 51e année nous, pour nous battre un cadre qui est un directeur général ONA, tout, même dans notre passé avec Rénal Benjamin. Nous connaissons que le syndicat lui-même n'est pas une force politique. Et nous tous connaissons, ce n'est pas le syndicat ONA qui a dit, que le gouvernement Jovenel Moïse et M. Dr. Guy Lafontaine-Joseph là, les séparer avec secteur politique et parlementaire. Et c'est dans l'optique ça, comme il y a passer nous, eh bien, il y a arrivé imposer le directeur général là, que nous n'avons pas de problème pour nous collaborer avec elle. Mais le syndicat ONA a arrêté toujours notre slogan ONA pour petit ONA. Et c'est peut-être ça, comme il y a eu nos premiers goals là, nous demandons au président de la République là pour que les fêtes passent là-bas nous, pour que le deuxième adjoint, c'est ONA qui baille, des cadres ONA qui sont compétents pour être capable de diriger ONA. Voilà, et revendication syndicale ONA, c'est Louis Chanel qui
qui t'a parlé comme ça, qui t'a demandé mot sur parole dans gâteau, hein, nous connaissons qui j'en saillé, c'est pas dans politique t'a peine, mais c'est moun pa ou mette en place. De bateaux que de organisations humanitaires louées dans la mer Méditerranée pour aider immigrants arrivés sauver et 700 immigrants qui manquaient péri dans la mer Méditerranée. C'est ça, garde-côte italienne rapporté. Première, c'est Phoenix. C'est pour une organisation qui basée dans zone Malte, dans la mer Méditerranée, qui arrivait sauver plus que 300 monde qui étaient trouvés en bas 3 canters et dans l'eau internationale dans tout près côte pays Libye. Et puis, deuxièmement, c'est Aquarius. Un autre bateau qui a opéré pour SOS Méditerranée Médecins sans frontières qui portait secours à bon bateau à bay 4 autres canters qui t'a péri avec équipe moun à bol en tout arrivé sauver 700 moun d'après ça il fait connaître après le péri et gagné porte-parole d'une organisation il y aurait les regroupements haïtiens pour état de droit démocratique RED Dixon ORS et qui fait déclaration concernant événement qui a pas souqué RNDDH. On a entendu dans le micro Loubel qui te bonis Simon. Nous-mêmes, comme porte-parole RED, qui sont organisations qui bataille pour faire droit à monde respecter, ainsi que RNDDH, qui est pionnier dans les affaires de défendre droit à monde en Haïti. Dans ce sens-là, nous-mêmes, comme RED, nous vivons des subventions et de plusieurs personnalités qui sont dans la diaspora, qui sont dans l'institution de l'État, privé ou l'État. Mais, je ne veux dire, nous garder par rapport à travail RNDDH à faire dans le pays. Le, pour NDDH, ils font constat dans Jérémy, dans SD, dans les IWA, dans le bombardement de police et dans le BDN, il faut qu'il y ait des moyens de locomotion, il faut qu'il y ait des machines, il faut qu'il y ait des carburants pour mettre dans la machine. D'où viennent ces moyens-là? Dans le sens ça, BMPAT, qui sont institutions, et les financiers, les bailles et NDDH ont moyen de subvention pour résister, pour faire face avec problème. Là, nous gardons les abdis de subvention, c'est corruption. Là, nous gardons un président inculpé là, nous parlons de bagages à faire, on tolé dans la presse. Là, nous gardons le premier ministre qui se ont évadé fiscal, il n'a pas fait bagages gros tolé dans la presse. Là, nous avons libéré son la famille, il n'a pas fait gros tolé dans la presse. Là, matin, les jours, Liliane Pierre-Paul, dans le carnaval, nous parlons de la presse, faire gros tolé avec ça. Nous pas tirer à bouler rouge sur la presse. Mais c'est son bagage qui donne structurel général contre nous ouais, et il prend subvention ça pour faire trac sur RNDDH. Marie-Hélène Gilles son citoyenne la bataille dans le secteur droit moun nan li ka senti lésé par rapport à Jean bagage la fête tolé dans la presse par rapport à Jean et modalité yo utilisé dans la presse pour parler pour déstabiliser organisation li ka senti li même en tant que femme qui bataille dans secteur li froissé dans sens ça moun k'a fait tractation comme professeur Libéris qui t'a gagné plus passé un an k'a dit RNDDH son parti politique jounen jodi a gagné l'état en main yo gagné tractation yo k'a fait avec des dossiers de subvention pour écraser RNDDH qui se sert voix peuple haïtien pour pas qui pour parler pour nous. Voilà, c'était porte-parole au regroupement haïtien pour état de droit démocratique RED Dixon Orest qui fait déclaration ça yo. Non micro Radio Kiskeya jeudi à micro Loubel qui témoigne Simon. Juste avant d'aller, attention Laurencile Frédédez. Laurencile Frédédez et prend contact avec maître avocat maître Kestner Romain qui voyait une annonce là mais donc on entend diffamation nous va l'autre dans affaire ça yo ou même qui sous quoi nous on a fait Laurencile Frédédez prend contact avec maître Kestner ou même pour question chantier c'est là nous camper nous dit tout pour bonsoir à demain.